Coucou, mes lolo boss. Comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez très bien, parce que moi je vais super bien. Là, je viens de me réveiller, je suis en train de me maquiller pour descendre manger. Oui, tout à l'heure. Et j'ai décidé comme ça de faire une petite mise à point. Vous voyez là, je viens, je n'ai même pas encore fini mon maquillage, mais je vais faire cette petite mise à point avant de sortir, parce que là, depuis samedi, je suis à l'hôtel. Oui, pas parce que j'ai envie de vivre à l'hôtel, mais c'est parce que j'ai des partenaires d'affaires qu'on doit traiter une affaire ensemble. Ça, c'est déjà un. Tranquille. Donc, je vais aller droit au but pour vous expliquer certaines choses que vous n'avez pas encore compris. Et je pense qu'au cours de la journée, vous allez observer puis vous allez comprendre. Hier, j'ai fait un live avec un ami, un Gabonais, un ami qu'on se connaît depuis plus de 3 ans. Et j'ai vu des commentaires, Lolo, respecte ton chéri, Lolo, pourquoi tu fais ça, Lolo, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Je vous fais comprendre une chose, vous les femmes, et puis suivez-moi très bien. Je vous fais comprendre une des choses, vous les femmes. Ne créez pas de problème là où il n'y a pas de problème. Moi, avec mon chéri, Tiesco le Sultan, je répète, moi et mon chéri, mon pécroustien, oui, mon Woody de Gagnoa, Logobia, il n'y a aucun souci. Ne vous faites pas de films. Parce que j'ai l'impression que chacun est assis à la maison et attend qu'il y ait le pire. Je vais vous dire une chose. Tiesco le Sultan, c'est un artiste. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire un challenge. Sur sa musique, il y a Dieu dedans. Si vous l'aimez bien, si vous l'appréciez bien, je me pose la question. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait de vidéo sur le challenge de mon chéri Tiesco le Sultan? Chef Ryan, merci à toi. Aïe la joie, merci à toi. Michou la Gabonaise et sa sœur policier, merci à vous. Quand on aime un artiste, on le propulse. Quand on aime un artiste, on l'envoie au sommet. Quand on aime un artiste, sa vie privée et sa vie artistique n'ont pas la même valeur. Au jour d'aujourd'hui, Tiesco le Sultan, au début, moi, je n'avais pas compris. Il peut s'afficher avec toutes les femmes du monde entier. Ça ne me fera ni chaud, ni froid, parce que je connais mon élément. Est-ce que vous avez capté ou pas? Il peut faire des voyages sans moi pendant 2 mois. Ça ne me fera ni chaud, ni froid. Vous savez ce qui m'ont fait ma force? Je capte facilement et je vis ma vie facilement. Le problème que j'ai eu ici, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question. Comment Lolo Beauté a fait pour sortir de ce problème-là? Sachez une chose, je suis une femme très forte, ambitieuse, et je sais ce que je veux dans moi, ma vie. Ça, c'est déjà un. Je parle à mes belles-sœurs, là, mes bêtés, là. Non, Lolo Beauté, il faut faire ceci, là. Laissez-moi vous dire une chose. Quand la fin du mois arrive, là, c'est pas Tiesco le Sultan qui paye moi ma maison. C'est pas Tiesco le Sultan qui va devant mon propriétaire pour dire, je vais te virer la somme de 1300 euros chaque fin du mois. Non, c'est pas lui qui le fait. Il sait que quand il rentrait dans ma vie, il rentrait dans la vie aussi d'une star. Lui, c'est une star musicale. Moi, je suis une star des réseaux sociaux. Je suis une chef d'entreprise. Oui, comprenez ça comme cela. Et aujourd'hui, on dit dans la vie, malheur souvent est bon. Les gens ont voulu m'humilier à cause de cette histoire de Poitou à la scie. Mais cette histoire-là me ramène des personnalités qui veulent coller leur image à moi, qui veulent travailler avec moi. Donc, c'est pas parce que je suis en couple que je ne vais pas m'afficher avec un garçon. Tiesco ne m'a pas marié légalement. Même mon premier mariage, j'ai fait 14 ans de vie commune. J'ai eu 3 enfants. Ma première fille a 19 ans. Je connais la vie. Il y a des personnes qui viennent et écrivent, non, Lolo Beauté, quand on veut un foyer, je vous ai jamais dit que je cherche à me marier.
Le mariage à cet âge de moi, Lolo Beauté, là, c'est pour des femmes désespérées. Je ne cherche pas le mariage. Excusez-moi de ma mine parce que je dois descendre manger. Je ne cherche pas le mariage. Je cherche un bonheur, un bon mongouli, un respect. Et puis que la vie continue. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il faut voir la personne évoluer, vice versa. Le mariage même, c'est de voir l'un et l'autre évoluer, prospérer, être quelqu'un dans la vie. C'est ça qu'on appelle être en couple. Tiens, ce qu'on n'est pas mon mari, c'est mon gars. Je suis sa go. On se mougou, on se respecte. Ma vie ne se limite pas à la love story, non. Ma vie se limite premièrement à mon travail qui est mon premier mari. Celui que je dois craindre aujourd'hui là, celui que je dois avoir peur pour dire, faudrait pas qu'il me lâche, c'est mon travail, c'est mon business. Deuxièmement, ce sont mes enfants. Le problème que j'ai eu aujourd'hui là, vous savez combien de fois ça a affecté mes enfants? Vous pensez que je suis bête pour aller me montrer avec un pétou à la scie et puis ne pas regarder mes enfants? Je pense à mes enfants aujourd'hui, ils sont bien. Mentalement, ils sont bien spirituellement, ils ont compris dont je dois vivre. Je dois chercher l'argent, excusez-moi. Oh, le portable. Excusez-moi, on m'attend en bas, donc le portable sonne. Au jour d'aujourd'hui, je dois chercher de l'argent, partagez-moi le direct. Et je parle à toutes les femmes, hein. Vous qui pensez que le mari là, c'est lui que vous devez suivre comme ça, comme mouton. Un homme, il peut t'abandonner. Un homme peut te suivre jusqu'au bout. Un homme peut te mettre au sommet. Mais ton travail, ta vie de boss ne peut jamais t'abandonner. Aujourd'hui là, si vous me voyez que je laisse ma maison avec mes enfants et que je suis cloîtrée dans un hôtel en train de chercher mon avenir, c'est parce que je suis une battante. Oui. Je ne me bats pas parce que je dis, non, mon homme, vous qui avez mis vos espoirs dans un homme, commencez à enlever cet espoir-là. Parce qu'un homme, il peut te trahir un jour. Un homme, il peut te laisser aujourd'hui. Un homme, il peut te faire un sale coup demain. Mais ton travail, ton business, ton avenir ne peut jamais te trahir. Donc, pour vous, qui disait que Lolo Beauté, la love story ne me fait pas rentrer des millions comme j'ai eu depuis samedi dans mon compte en banque. Sachez une chose, les grandes stars aujourd'hui qui sont là, elles ne s'affichent pas très souvent avec leur homme. Rihanna n'est pas le siamois de son chéri. Donc là où elle passe, son chéri doit être là. Pourtant, il est multimilliardaire. Tiens, ce qu'on n'est pas mon ami siamois, où je dois aller, je dois forcément aller avec lui. Le samedi, il était au concert de Flobby. Je ne suis pas allé. Il allait prester. Il allait faire sa musique. C'est son travail. Donc, comme moi, Lolo Beauté, je fais mon travail. Arrêtez vos commentaires à 2 balles. Si lui, il fait sa jalousie un peu. Ben, lui, mais c'est pas jalousie. C'est quelqu'un qui aime taquiner. Qui aime attirer l'attention sur lui. Sinon, lui-même, il sait. Il n'y a absolument rien. Je respecte l'homme avec qui je vis. Mais j'adule mon travail. Je répète. Parce que vous n'avez pas encore compris. Vous des femmes, bébés, comment on appelle ça, bête là. Quand vous voyez Bangala, le Bangala, vous vous oubliez. Moi, j'en ai connu des Bangala. De ses cours, de ses kikinettes, de ses anacondas, de ce qui même rentre dans ma gorge et sort par mon derrière. Ça n'a rien changé à ma vie. Au jour d'aujourd'hui, quand je parle souvent de Bangala, de tout, c'est parce que j'ai envie de me distraire. Sinon, je ne suis pas une femme à sexe. Je ne suis pas une femme qui court de gauche à droite. Quand je suis quelque part, je suis quelque part. La vie de love story, c'est pas forcément tout ce qui se passe dans ma vie que je dois afficher. Non. Je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Et je garde. Au jour d'aujourd'hui, quand tu veux réussir, et que tu as traversé des moments difficiles, faut apprendre à supporter. Vous avez compris? J'ai trop souffert dans ma vie. J'ai trop souffert dans ma vie. J'ai trop pleuré.
Laissez-moi être un peu heureuse. Je suis avec Tiesco, je ris, je souris. Je suis avec des amis qui peuvent m'envoyer des millions. Je vais rire quand on voit la gorge profonde. Parce que moi, ce n'est pas un homme qui me rend heureuse. C'est ma vie quotidienne. Je suis avec un homme, même bossu, même charbonnier. Je sais comment le mettre à la table des rois. Oui, Tiesco est un artiste, c'est une star. Moi aussi, je suis une star. Donc, à partir d'aujourd'hui, la mise au point que je vous montre aujourd'hui, là, je vous dis que vous allez beaucoup me voir avec des hommes. Oui, parce qu'il y a des personnes, quand je suis à eux, qu'on doit travailler, le nommé indirect, on veut que les autres aussi nous voient. Je vais mettre le direct. Je ne vais pas rester là pour dire que non. Comme il y a l'image de mon... vous la pensez à vos chéris, moi je pense à moi. Je ne pense pas à garçon. Je pense à mes fesses. Je respecte mon homme. Mais je suis une star des réseaux sociaux. Partagez-moi le direct. Donc ma vie ne se résume pas à Tiesco. Ce n'est pas parce que quand je vais allumer ma caméra, forcément vous devez voir Tiesco à côté. Je suis dans une chambre d'hôtel. Il n'est pas là. Depuis samedi, je ne fais que dormir seul. Il n'est pas obligé de me suivre. Pourquoi il va me suivre? Je dois aller à Dubaï. On est en train de caler une date parce qu'il y a le carême qui arrive. Est-ce qu'il est mieux de partir pendant le mois de carême ou d'attendre que le mois de carême finisse? Je dois aller à Nice. Je n'irai pas avec Tiesco. Je vais pour mes business. C'est un conseil que je vous donne, vous les femmes. Quand vous êtes avec un homme, laissez cet homme-là respirer. Et vous aussi respirez parce que vous avez une vie. Moi, Lolo Beauté, j'ai une vie. Quand la fin du mois arrive, je ne dis pas Tiesco, ma maison coûte 1300 euros. Faut me donner les 1300 euros. Je ne le dis pas parce qu'il ne m'a pas marié légalement. Je ne suis que sa go. Il est que mon gars. Donc nous deux, on se cherche. Si Dieu veut que ça marche, ça va marcher jusqu'à des années. Si Dieu décide que oui, il n'y a plus de bonheur, vous devez vous séparer. Je reviendrai vous montrer encore une autre personne. Parce que les grandes stars aujourd'hui, elles ne se sont pas limitées à un garçon. J'ai fait 3 enfants avec un homme. Je ne suis pas restée avec lui. Parce que je ne me sentais pas heureuse. Au début d'une relation, tu peux être heureuse. Après, il y a quelque chose qui cloche parce que vous ne finissez pas de vous connaître. J'ai laissé malgré les 3 enfants. J'ai fait des jumelles. Celui qui m'a donné des jumelles, en principe, je devais rester avec lui. Parce qu'avoir des jumelles, c'est une bénédiction. Je ne suis pas restée avec lui. J'ai continué ma vie. Et ma vie prospère. Aujourd'hui, je suis avec Tiesco. Je n'ai pas fait d'enfant. Je ne veux pas faire d'enfant. Je ne ferai plus d'enfant parce que j'en ai déjà 5. Il ne faudrait pas que les gens me regardent. Ah, tu as encore fait encore un autre de père différent. Je suis fatiguée de ça. Souvent, faire des enfants de père différent, ce n'est pas parce qu'on le veut, mais c'est parce que ça ne marche pas. Je ne vais pas continuer à passer ma vie de bêtise à bêtise. Non, Lolo Beauté, comme Tiesco a mis photo de femmes, toi aussi tu es venu mettre photo de garçons. Lui, c'est un artiste. Il peut se montrer même avec des femmes nues. Ça ne va rien me faire au jour d'aujourd'hui. Mais moi, je suis une star du web. Quand moi, je me montre, vous ne faisiez pas de ça. Et comment on appelle ça? Un débat pour forcément dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Mais souvent, il n'y a pas de bas. Vous-même, vous voulez créer des bas. Il n'y a rien, absolument rien. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez. Au jour d'aujourd'hui, là, je ne pense qu'à moi. Mes pages sont restreintes. Peut-être d'ici le 10 du mois prochain, mes pages seront dégagées. Je pourrai faire mes vidéos avec 3000, 4000 personnes en live. Mais avant que ma page ne soit dégagée, il faut que quand même j'assure mes arrières. Il faut que j'assure l'avenir de mes enfants. Tiens, ce qu'on n'a pas d'enfants ensemble. Donc, que mes enfants mangent, scolarisés, ont un problème, ce n'est pas son problème. Il a déjà lui-même ses 3 enfants. Moi aussi, je ne me soucie pas que ses enfants mangent. Ils ne mangent pas parce qu'il a ses problèmes à lui. J'ai mes problèmes à moi. On doit se chercher pour que chacun puisse nourrir sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas le genre de femme que quand je suis avec un homme, je dois arrêter carrément de vivre parce que je dois arranger l'image de cet homme-là. J'ai mon image aussi à moi. Sachez ça. J'ai mon image aussi à moi. J'ai déjà eu un accident qui a un peu terni sur mon image. Les gens ont voulu me détruire. Non, Lolo Beauté a fait exprès pour montrer son complot. Vous pensez que je suis folle? Mais Dieu m'a soutenue dans ce problème. Je suis sortie de ça, la tête haute. Il y a des gens qui ont vu en moi une femme courageuse, qui ont dit, on veut travailler avec toi.
On veut le loboter, ton courage. On veut, parce que je suis une femme de pointe. Je ne suis pas le genre de femme qui attend un homme pour vivre. Je ne suis pas le genre de femme qu'un homme peut diriger sa vie. Je suis de caractère forte. Au jour d'aujourd'hui, si on me pose la question, Lolo, tu as envie de te marier? Je vais vous dire non. J'ai envie simplement d'être heureuse. Vous avez capté ou pas? Et être heureuse n'est pas forcément une bague dans la main. Être heureuse, ce n'est pas forcément tu es avec un homme aujourd'hui, un an, donc tu es forcément heureuse et lui. Non. Arrêtez d'arriver à un moment donné. Quand vous aimez une personne comme Lolo Beauté, vous devez l'aimer partout. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis avec un ami gabonais. Non, Lolo Beauté, pour le respect de ton chéri, faut pas faire ça. Il ne m'a pas marié. Même un homme qui met une bague à une femme, elle-même, elle a sa vie. Ma vie ne dépend pas de Tiesco. Lui, sa vie ne dépend pas de moi. Arrêtez de faire de faire le mélange de la vie des gens. Je bosse, je fais ma life, ma vie. Je suis une blogueuse, influenceuse, chef d'entreprise. Celui que vous avez vu hier, moi, il m'a décroché un contrat à Miami. Oui. Donc lui là, la personne qui me fait rentrer des millions. J'ai dit, je peux grimper sur son dos et dire tout non. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'argent ou rien. Même aujourd'hui, quand vous êtes en couple, s'il n'y a pas d'argent, regardez un peu si l'amour va durer. Si toi, la femme, tu n'as pas d'argent, toi, le monsieur, tu n'as pas d'argent, vous allez vivre de quoi? D'amour et d'eau fraîche. Vous allez vous respecter comment? Dans la faim. Vous allez vous regarder comment? Avec l'amour. Moi, Lolo Beauté, je sais être heureuse avec un homme ou sans un homme. Comprenez une chose. Ton bonheur ne dépend pas de ton homme. Ton bonheur dépend de ta capacité de rétention, de faire rentrer des millions dans ton compte en banque. Comprenez-moi ça, une bonne fois pour toutes. J'ai décidé, moi et mon chéri, de faire une love story. On le fait quand on a le temps. Quand on n'a pas le temps, nous deux, on se cherche. Je suis une chercheuse. Laissez-moi me chercher. Quand je vais me trouver, je vais penser à vous. Vous qui parlez là, je suis une fois venue vous demander un litige pour payer ma maison. Jamais. Je suis l'une des seules blogueuses influenceuses qui n'a jamais demandé l'argent pour elle. Cela veut dire, je ne suis pas milliardaire, mais je me contente du peu que Dieu me donne. Aujourd'hui, à cause de Tiesco, il faut que vous compreniez une chose, hein. Je vais vous parler la vérité aujourd'hui. Vous qui dites, respectez ton homme là. Je me suis fâchée avec mon grand frère, Général Kami Makoso, aujourd'hui là. Si je vois mon frère, je vais me mettre à genoux pour lui demander pardon. Parce qu'il faut que je règle les petites gamineries. Vous savez, dans le début d'une relation, on fait des laisser aller. Parce qu'il y a la fougue qui est là. Il y a le désir, il y a l'amour qui est là. Tu essayes d'imposer ton homme, tu essayes d'imposer ta femme. Mais une fois que cette petite fougue passe, la réalité te rattrape. Et sois sage. Pose tes fesses. Essaye de faire les choses bien. Essaye de réconcilier ce qui est réconciliable. Arrête de jouer à la gamine. Je ne suis pas une gamine. Je suis née le 16 octobre 1985. Je parais un peu vieille parce que la vie ne m'a pas fait cadeau. Depuis mon bas âge, je ne fais que faire le commerce. Je me bats pour ne pas qu'un homme vienne me dire « Tu dépends de moi ». Voilà pourquoi vous voyez un peu des rides sur mon visage. C'est pas parce que j'ai duré sur la terre. C'est parce que j'ai refusé d'aller ouvrir mes jambes pour me prostituer, pour me nourrir. Je préférais qu'on voit la bataille sur mon visage que de voir la bataille même sur mon corps. La prostitution, je ne l'ai jamais connue. La vie des débauches, je ne l'ai jamais connue. Souvent, quand je parle souvent des vulgarités, naturellement, ma vie n'est pas vulgaire. Je suis une femme posée dans la tête, spirituellement et financièrement. Je fais souvent les petits dégâts. La vie de Lolo Beauté que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ma vie réelle. La vie des réseaux sociaux, c'est un film que je vous donne. Mais ma vie réelle, c'est celle-là quand je regarde mes enfants. Je sais qu'il n'y a pas papa derrière. Il n'y a pas grand frère derrière. Il n'y a pas parent derrière. Lolo, tu es bête ou quoi? Tes enfants mangent quoi? Tes enfants vivent de quoi? Est-ce que tu penses à tes enfants? Ça m'a fait très mal lorsque j'ai eu mon accident et que les gens m'ont dit, Lolo, pense à tes enfants. Vous ne savez pas à quel point que mes enfants, ils ne sont pas ma faiblesse, mais ils sont l'essence de ma vie. Parce que j'aurais pu avorter.
J'aurais pu venir vous dire que je n'ai pas d'enfant. Parce que c'est moi qui suis venu vous dire que j'ai 5 enfants. Ma vie que je donne là, c'est moi qui vous le dis. Parce que je ne suis pas une menteuse. Je pouvais venir sur la toile et puis dire, je n'ai que mes jumelles. Vous n'allez jamais voir mes enfants, vous allez me croire. La paflotterie, ça ne fait pas partie de mon langage. Jamais. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est moi qui suis venu vous dire que j'ai 5 enfants. Mes 3 premiers enfants, vous ne connaissez même pas leur père. Pourtant, il est sur les réseaux sociaux. Vous ne l'avez jamais vu venir parler. Pourtant, il est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je sais ce que je fais dans moi, ma vie. Donc, moi, ma vie ne se limite pas à un homme. Non. Même si aujourd'hui, je trouve un homme milliardaire dans ma vie, le jour où tu n'arriveras pas à me rendre heureuse, je vais te déposer. Parce que au jour d'aujourd'hui, mon bonheur avant tout, tu me rends heureuse, je te rends heureuse, heureux. Tu ne me rends pas heureux, je te décharge comme un colis suspect à la gare de Lyon. Je répète, tu me rends heureuse, je te rends heureux. Tu ne me rends pas heureuse, je te dépose comme un colis suspect à la gare. Demandez à ceux qui vivent en Europe, lorsqu'on dit qu'il y a un colis suspect à la gare, aucun train ne passe, c'est comme ça que je dépose. Oui. Donc au jour d'aujourd'hui, ma vie est en train, je suis en train de réparer beaucoup de choses dans ma vie. Même la petite vidéo où j'ai fait allô, 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 vient posséder la scène. Oui. Ça là même là, il y a des personnes qui ont dit non, Lolo Beauté. J'ai fait ça de manière comique. Mais il y a des gens qui n'ont pas aimé. Et je ne le ferai plus. Je préfère montrer le côté businesswoman de Lolo Beauté. Cette femme qui se bat pour ses enfants. Cette femme qui va avancer. Le problème que j'ai eu, peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. Pour qu'il y ait des personnes bien qui rentrent dans ma vie. À quelque chose malheur, bon. Voilà pourquoi mettez en commentaire. Bonheur doux et sucré. Actuellement, je suis dans bonheur. Bonheur doux. Bonheur sucré. Ton bonheur ne dépend pas d'un homme. Ton bonheur ne dépend pas de ton mari. Ton bonheur dépend de toi-même. Crée ton bonheur toi-même. Fais la vision de ton bonheur toi-même. Moi, Lolo Beauté, le jour où je vais tomber, où je ne pourrai plus jamais me relever d'un problème, je vous le dis aujourd'hui, ça sera le jour de ma mort. Parce que je ne suis pas Jésus pour me réveiller le troisième jour. Le jour où on vous dit que Lolo Beauté est décédé, je touche du bois. En ce moment précis, dites c'est fini pour Lolo Beauté. Lolo Beauté, c'est fini. Mais tant que je respire, tant que je vis, tant que j'ai mes deux mains, j'ai encore mes deux pieds, je vais toujours me battre pour avoir une vie. Au jour d'aujourd'hui, moi, je ne cherche pas à être heureuse. Je cherche l'avenir de mes enfants. Souvent, quand on est avec des hommes, quand nous les femmes, quand on a beaucoup d'enfants, quand on est avec un homme, on cherche juste à être heureuse, à s'amuser, à se distraire, à rendre l'autre heureux, nous aussi heureux. Mais le moment qu'on est en train de se rendre heureux, on a des charges. Nos enfants doivent manger. Nos enfants doivent voyager. Nos enfants doivent avoir leur carte bancaire remplie de milliers d'euros. Les hommes qui rentrent dans notre vie lorsqu'on a fini de faire des enfants, généralement, ce ne sont pas des hommes qui sont prêts à dépenser pour s'occuper de nos enfants. Les hommes qui rentrent dans nos vies quand on a beaucoup d'enfants, là, ils ne sont pas prêts à dépenser parce que ce n'est pas leurs enfants. Ils peuvent leur apporter de l'amour, de la joie, de l'amusement. Mais pour dire, ils vont prendre leur argent, des millions, pour dire, Lolo, tiens, donne à tes enfants. Il n'y en a pas. Moi, l'homme qui va enlever millions pour s'occuper de mes enfants, là, s'il me dit, je ne veux pas te voir avec quelqu'un, là, il a dit, tu ne me verras pas avec quelqu'un. Je vais traîner même par terre pour lui. Mais tant que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui va offrir des millions à moi, mes enfants, qui sont mon bonheur, Adasikele, je ne suis pas prête. Lolo, tu n'es pas soumise. C'est quoi vous appelez la soumission? Une femme de moi, ma trompe, qui se cherche. Vous pensez que je vais attacher deux pagnes pour dire, oh mon bébé, tu veux boire de l'eau? Oh mon chéri, tu veux faire ceci? Maudia, Maudia, je me cherche. Mon chéri se cherche. Quand on se trouve, on fait la love story. Finissons de nous chercher d'abord. La love story là ne remplit pas notre compte en banque. Non, 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 non. C'est qui remplit notre compte en banque là? Lui, c'est sa musique. Allez-y télécharger, allez-y écouter sa chanson. T'as l'amour descend, il y a Dieu dedans. C'est ma go. Allez-y faire des challenges pour propulser l'artiste en haut. Parce que quand on aime un artiste, on le propulse. Tiesco est bourré de talent. C'est pas quelqu'un qui est méchant.
C'est quelqu'un qui est très, très, très gentil. Peut-être impulsif, oui. Mais quelqu'un qui est très gentil. Oui, il fait ses bêtises sur les réseaux sociaux comme moi, Lolo Beauté. Mais vous savez de vous à moi que Tiesco le Sultan est un meilleur artiste. C'est parce qu'il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui lui ont barré le chemin, qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Qu'aujourd'hui, souvent il est un peu découragé, je ne vais pas à Abidjan, après non, je vais partir. Vous aimez l'artiste. Au lieu de venir sur la page de Lolo Beauté, non, Lolo Beauté respecte ton homme. Vous les fans, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez jouer sa musique. Vous devez faire les challenges sur TikTok. Vous devez montrer à l'artiste que vous l'aimez. Parce que lui, c'est un artiste, il a besoin de ses fans. Moi, Lolo Beauté, je suis une chef d'entreprise. Très souvent, je n'ai pas besoin de vous. Très souvent, j'ai besoin de venir vous montrer cette femme forte que je suis. Cette femme qui se bat. Cette femme qui arrive à gérer sa famille. C'est ça que je dois vous montrer. Et non, ces petites bêtises que je faisais avant, les clashs, depuis l'année 2023 a commencé. Vous m'avez vu dans clash? Je vous pose la question. C'est moi qui vous ai dit que je ne ferai plus de clash. Parce qu'il n'y a rien dedans. Au contraire, ça t'empêche de bien dormir. Au contraire, ça te met de la haine. Au contraire, ça te fait fuir les potentiels partenaires dans ta vie. Parce qu'on te voit dans ce qui est dégueulasse. Je ne fais plus de clash. Je ne veux pas être mêlé de près ou de loin à des palabres nocturnes sur les réseaux sociaux. Je vais vivre ma vie. Je vais être tranquille. Aujourd'hui, quand tu regardes la vie de Carmen Sama, elle est tranquille en train de faire ça. Est-ce qu'elle répond à quelqu'un? Vous voyez Emma Loès, est-ce qu'elle répond à quelqu'un? En principe, Lolo Beauté, là, c'est ça qu'elle doit faire. Bonheur doux. Je ne dois pas rester dans les choses. Vous savez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Aya Robert, aujourd'hui on ne s'entend pas. Aya Robert, un jour, m'a donné un conseil. Oui, je ne suis pas ingrate. Aya Robert m'a regardé, dit ma grande soeur, dans le passé, quand on était ensemble. Moi, je ne veux pas avoir la haine. Si il y a le nom de quelqu'un à prononcer, je prononce. Je ne suis pas dans vos histoires de haine. Je ne veux plus. Vous m'avez gagné dans tous les combats. Je ne veux plus parler. Je baisse les armes, je jette l'éponge. Aya m'a dit, ma grande sœur, au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas à quel point tu es star. On doit te voir à Dubaï, à Miami. On doit te voir dans les grands coins. On ne doit pas te voir dans la petite bassesse. Et elle avait raison. Parce que quand tu es star, tu ne te limites pas à un pays. Voilà pourquoi vous allez me voir cette année. Je vais beaucoup voyager. Pas avec mon chéri. Parce qu'il faut dissocier la vie de couple et ta vie de travail. Et je vais faire cette part des choses. Je vais vous l'imposer. Parce que oui, dès aujourd'hui, sachez une chose. Quand je dois aller faire un business, mon chéri ne va pas me suivre. Quand lui doit aller prester, si je veux, je le suis. Si je veux, je ne le suis pas. Parce que c'est son travail. On ne mélange pas. Là-bas, là où il va chanter, il y a des personnes, il y a des fans qui sont fans de lui. Laisse-le profiter de sa scène musicale. Laisse-le voir les femmes être en ébullition auprès de lui parce que c'est son travail. Donc toi, la femme, tu n'en as rien à foutre parce que tu bloques. D'une certaine manière, tu bloques son évolution. Oui, c'est vrai aussi. Vous pouvez faire votre love story sur la toile. Mais une fois qu'il est en train de prester, il y a des fans. Si moi, je suis là, il y a des personnes, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires qui sont fans de lui. Peut-être que la présence de Lolo Beauté peut bloquer un travaillement. Je suis intelligente, je suis une businesswoman. Je ne me limite pas à l'amour. Pour dire que oh, comme je t'aime, je vais t'accompagner partout, j'allais faire. Moi, je ne suis pas jalouse de nature. Mais j'aime qu'on me respecte. Parce que j'ai mon image. Parce que très souvent, vous avez oublié ça. Quand vous me voyez, non, Lolo Beauté amoureuse, elle joue aux amoureuses, elle est bien, bien, bien amoureuse. Vous pensez que j'ai oublié mon côté, que je suis une star. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas aller quelque part. On te dit Lolo Beauté, on sait qui est Lolo Beauté. Je connais ma valeur. Il faut que je profite de ma notoriété avant que je ne sois vieille. Il faut que je construise grâce à ma notoriété l'avenir de mes enfants. Les hommes là, l'homme il vient après la construction de ta vie. Allez-y télécharger le son de mon pain croustillant, Tiesco le Sultan. Allez-y faire les challenges. Alors qu'à chaque fois, vous êtes là. Non, comme on a vu Lolo Beauté poster truc là, c'est qu'il n'y a pas la bande eux. Comme on a vu Tiesco poster ça, c'est qu'il n'y a pas la bande eux. Il n'y a rien. On travaille. On se cherche. Si vous avez compris ça. Je suis en direct. Hein.
Si vous avez compris ça, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas compris ça, là, je suis désolé pour vous. Parce que Tiesco, mon père Christian, c'est un artiste. Moi, Lolo Beauté, je suis une chef d'entreprise. Donc, pardonnez. Laissez-moi me chercher. Parce que je dois nourrir ma famille. Oui, je dois envoyer de l'argent et le pain quotidien dans ma famille. Je ne suis pas le genre de femme qui cherche foyer avec torche. Je ne cherche pas à me marier. Parce que je ne cours pas derrière un milliardaire. Au moins, s'il était derrière un milliardaire, il a dit « marie-moi vite ». Mais lui-même, il se cherche. Moi-même, il me cherche. Nous, vous parlez de quel mariage, même? Vous, les fans, là. Il y a d'autres, même, Lolo Beauté, faut prendre grossesse. Vous parlez de quelle grossesse? J'ai déjà 5 enfants. Oui, Baka, mon nom, c'est une marque. Même une mauvaise publicité est une publicité. Même une mauvaise publicité est une publicité. Mon nom, là, c'est une marque. Déposez mon nom ici. Je respecte mon nom. Il me respecte. Mais on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. Je me cherche. Pour toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, qui veulent avoir un teint propre, soigné, élégant, vous qui aimez Lolo Beauté, c'est mes produits cosmétiques. Vous devez vous figer à ça. Pour avoir le corps de Lolo Beauté, un teint propre de la tête aux pieds. Oui, là j'ai mis fond de teint. Là, il n'y a pas fond de teint. C'est mon teint qui est là. Vous me contactez au 00337 69 84 12 et le 27. C'est mon numéro WhatsApp. C'est moi-même qui décroche ça. Ne m'appelez pas. Laissez-moi une note vocale. Je répète encore le numéro pour avoir les produits de Lolo Beauté. C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suisse, qui voulaient mes produits, vous pouvez soit me contacter en WhatsApp ou soit aller directement sur mon site internet déclaré ici en France, qui est le 3xwwwlolobeautecenter.net. Vous allez voir mes gammes de produits, vous allez les acheter. Donc aujourd'hui, pour la mise au point, c'est pour dire à tous ceux qui m'ont regardé, les 1400 personnes qui m'ont regardé en direct, ne créez pas de problèmes là où il n'y a pas de problème. Vous me verrez très souvent avec des photos, des vidéos avec des hommes. Non, dans des postures inconfortables parce que je me respecte. Vous ne me verrez pas en train de prendre photo avec un homme où je suis dans ses bras, assis sur ses pieds, fais ceci. C'est une vie de débauche. Le jour où vous me voyez faire une photo de ce genre avec un homme, c'est que je suis avec lui. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien. Latis est en train de chanter. Lolo est en train de chanter, chercher son argent. Allez-y sur la page. La page YouTube de l'artiste Tiesco le Sultan, écoutez sa musique, c'est ça qui lui rapporte de l'argent. Allez-y, téléchargez son son et moi Lolo Beauté payez mes produits. Sur ce, je vous aime bien, mais là le devoir m'appelle. Pardonnez, déposez-moi ici, je veux plus de problèmes avec quelqu'un, s'il vous plaît.